Salutations YouTube. C'est la folie. 23h40, on vient de battre le record du monde des Hidden Streaks Hard de Mister MV et on y retourne. C'est la folie. Salut Emily. C'est la folie pure, soirée de folie qui donne envie de danser. Merci Ekos qui offre un sub à Orti. Bienvenue dans la communauté du gaming et du fun. À partir de maintenant, chaque run est un world record, tout à fait chez you. Maintenant, c'est que du plaisir. Jusqu'à la chute fatale. Jusqu'à la petite salle en extrémité. Ou le Curse of the Blind. Ou le... Ah oui, alors attendez. Précédente partie, nous avons eu Eden's Blessing au début. Est-ce que le Eden's Blessing qui va nous donner un objet supplémentaire au début de cette run-là va nous donner un petit Zaxxart? Oh mon dieu, si j'appuie à cause d'un de mes tocs sur la gâchette gauche, c'est la fin de la streak. Car en effet, c'est le plan C qui porte bien son nom. C'est tout simplement la mort. Ok. 13 de tir rate et 4 de dégâts. Les stats sont corrects. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et je sens que je stresse. Je vais avoir un spasme, je vais bourrer la gâchette. Merci Jean-Vladimir 14 pour les deux siècles. Le plan Q donc. Le browser bobine mes couilles. Et c'est quoi le premier truc? C'est Loki's Horn? Parce que je vois que j'ai une tête bizarre. Non, c'est ma coupe. Ah, c'est ectoplasme? Non, c'est l'œuf là, le cone head, ouais. Je sais même plus ce que ça fait. Ça doit être un bonus, mais lequel? Trop d'objets dans le jeu, hein. Attendez, je vais placer mon doigt. Non, j'arrive pas à placer mon doigt pour être sûr de pas appuyer sur la gâchette. Ah, le stress est horrible. Franchement, s'il y a la boutique, dès que j'ai 15 balles, je tombe sur n'importe quoi. L'objet qui fait des portails, là, je le prends... Non! Pas la salle isolée, bien sûr. Pas la petite salle isolée. Faisons attention. L'accident est si vite arrivé. Même si là, on n'a pas un cœur. Un spacebar item. Oh! Ok. Voilà qui va régler nos problèmes de tir rate médiocre. 1-11 de speed, c'est pas immonde. Bon bah c'est un passage obligatoire. J'ai vraiment peur d'appuyer sur cette gâchette. Ce n'est pas arrivé dans les précédentes parties, pourquoi ça arriverait là? Il n'y a aucune raison. There's no reason. There's no reason. Vous vous souvenez de ce groupe? Vous savez du groupe qui chantait 74, 75? C'était les Kennels. Probablement des gens qui ont souscrit à l'Anana Assurance. Ok. I was the one to let you know. Ok. Cœur bleu, je suis en XL. Ouais, je suis en XL, mais j'ai envie de faire la Curse Room. Donc je suis tiraillé. Mais avec Little Brimstone, impossible que je me fasse toucher dans mes cœurs rouges. Je veux dire, je suis un gamer. Je suis un gamer avant tout, quoi. Ah, mais ça fait 3 parties de suite où on a des XL. Merci Bat Kitty pour le siècle. Merci énormément. Ok. Sauvé. Le run est sauvé. C'est bon. Je peux avoir des spasmes et des tocs. Et potentiellement, le run est cassable également. Putain, c'est vraiment un début sympathique. Oh putain, je veux tout ça. Évidemment. Ça, c'est le classico. Quand il y a des coffres dorés, de la thune partout derrière des rochers et des rochers marqués. Zéro bombe, zéro clef. Motherfucker. C'est-à-dire titilleur de maman. En anglais. Ok. Allez. My body
Le jus de Jésus, c'est un grand oui. Oh là là, mais on passe un très très bon moment de gaming, hein. Assurément. C'est David Zimmer qui offre un sub à Aikilos. C'est Niraguana. Loulou. Lulu PDM. Coquito pour les subs. Et merci Rémineur. Réminoir pour les deux siècles. Ok. Monstro. Monstro sombre. Monstro qui va jamais sauter. On a connu pire. On a connu pire. Ah si, il saute un peu quand même. Ça lui arrive. Monstro qui fait tiep quoi. Monstro quoi, en somme. Les PJs. Je vais les prendre après, la Curse Room. Ça, c'est 0 tiers. Et ça, c'est un peu 0 tiers aussi. Enfin, si, c'est fort, mais c'est chiant à utiliser. Enfin, ça n'intéresse personne. C'est ça que j'essaie de vous dire. La liste. Peut-être que la liste, au début, c'est fort. Mais le problème de la liste, c'est que ça m'oblige à être précis. Et mes larmes sont pas assez intéressantes. Et Little Brimstone m'empêche d'être précis. La liste, c'est en gros... Ah oui, mais c'est vrai que la liste, ça peut donner des stats up. La liste, si on tue les ennemis dans l'ordre qu'on nous donne, on gagne des consommables et parfois des stats up. Et c'est un peu chiant. S'il y a qu'un mec, c'est full bénef. Godroom. Mais vous savez très bien que Godroom, c'est de la merde en barquette. Mon chichilio en vocal. Toujours plus. Le problème, c'est qu'on a Little Brimstone. Non, allez, vas-y, je vote non. C'est pas si mauvais que ça, il est vrai, mais je vote non. Allez, il va y avoir environ 12 bombes et 5 clés dans la Curse Room. Sinon, on pourrait reprendre le plan C, quoi. On pourrait reprendre le petit plan Q, quoi. Prends le bon. Ah, je crois que j'ai cette pilule-là dans l'autre pièce. Pas de clé, hélas. RNG médiocre. Ok. Ouais, go la liste. Trop tard. Too late. Mais c'est trop tard pour des excuses. C'est trop tard. Ok. Ah ouais, juste une clef, ça aurait pu snowball, quoi. I need clefs. Oh non, mais non. Non, non. 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 C'est honteux. Oh, la frustration. Là, il y avait Cricket Said, le Holy Grail et je ne sais quoi. Et Steven. Non. Attendez, ensuite on a les Secret Rooms. Ah non, mais c'est chiant, je vais jamais la trouver 100%. 100% nullos. Rien d'obvious là en plus. Ah non, mais faut qu'on le tente, hein. Allez, trouver la pilule Bombes Arkies. Non, mais là, j'en peux plus, arrêter. Super secret là, déjà. La secret, elle peut pas être à côté de la salle de boss. Non, mais les pilules, c'est à proscrire, normalement. Hein. Là, je me prends un tears down, je commence à faire la gueule, quoi. C'est là. Mais je suis un connard. Alors que je suis sûr que je vérifie là. Bah oui, bah c'est cette salade, donc ça ne pouvait pas être là jamais. Putain, mais comment on peut être aussi con pour acheter ça? Comment ça le shop? Pourquoi ça me parle du shop alors que j'ai pas de clé? À gauche, là. À droite de la salle mini-boss. Attendez, c'est possible, là. Ah, c'est vrai que c'est une gueule un peu, là.
Mais non. Putain, c'est honteux. Et j'ai plus qu'une bombe. Ma vie est un échec. Ok. C'est pas grave. Bon, ça reste quand même un premier bon étage, vu les conditions de départ. La perle. Non, non, on joue pas à pilule, on joue à pilule. Curse of the Blind. Ah, faut tout prendre. Si, si. Si je me souviens bien des conseils de Sheyu, Curse of the Blind, faut tout prendre. Le pool d'objets est vraiment godlike. Aucune possibilité, aucune. Je dis bien aucune possibilité d'avoir des orbital tears, des anti-gravity tears, des Isaac's Heart. Oh là là, ça serait tellement bien d'avoir une petite. Une possibilité de voler là. Ouf. Ah voilà la clé. Super. Ok. Pas du tout le seum en tout cas. Pas du tout le seum. Soy milk. Donc pour l'instant 67% de chance d'avoir une salle après le boss, 50% et un 50-50 évidemment entre God Room et Devil Deal. C'est bien d'avoir une carte cool. Une carte kiwi par exemple. Parce que oh là là, en réalité oh là là, mais quel connard, heureusement que j'ai 12 000 cœurs bleus pour compenser mon manque de skill évident. On a le blank card et il peut se passer tant de choses. Two of diamonds. Ah bah là... ah là, il y en a des clés. Hein. Super, super. Super, super. Super le gaming. Attendez, shop first, hein, bien sûr. Shop first. La secret, là, hein, 100%. J'ai envie de claquer la bombe, mais j'attends un peu. Hein. Là, c'est 100%. Putain, mais cette vanne, quoi. Ah oui, non mais je vais au shop alors que j'ai Curse of the Blind, espèce de connard cosmique. Est-ce que je veux bomber le mendiant? Oui. C'est vrai que j'ai Little Brimstone, faudrait que je m'en rappelle quand même. Oh. Counterfeit Penny, donc 50% de chance d'avoir eu une pièce en plus quand je ramasse n'importe quel type de pièce. Moi je suis convaincu qu'elle est au-dessus, hein, mais allons voir l'item room donc. Ah oui, mais non. Je suis amnésique. Non, mais en vrai, ça peut jamais être un mauvais objet. Non, il faut pas. Et encore ça va là, parce qu'on est qu'à 16 victoires, mais en vrai, on pourrait le piffer là, mais... Si on perd le streak, à part sur un début naze, ça sera comme ça quoi. Et si on fait de la merde sur du Curse of the Blind, et qu'on a l'horrible pic... Soyons sérieux. Même si de toute façon, cette streak, elle s'arrêtera quand je la perdrai, bien sûr. Ou bien quand Repentance sortira quoi. Donc bon. On est plus là évidemment pour l'e-sport. Devil Deal encore. Devil Deal par contre. Devil Deal a un cœur. Y a rien qui peut vraiment me mettre dans le mal, je crois.
Il y a des trucs un peu chiants, mouche qui pète et compagnie. Et encore mouche qui pète, c'est à deux cœurs. Non, c'est un cœur. Kirstie, non, Kirstie en Devil Deal sans chaos, c'est possible. Kirstie dans un coffre rouge, oui. Curse of the Tower? Non, mais non, c'est bon. Allez, hop. Qu'est-ce qui se passe? Objet de boss aussi, c'est safe, je pense. Oh là là. Devil... Oh, c'est incroyable. Incroyable sélection de trois objets. Et voilà, vous voyez, on n'a pas besoin de l'item room, finalement, et... You shop. Oui, Dead Cat aurait été chiant, ouais, peut-être. Enfin, pas dramatique, vu que j'ai 12 000 cœurs bleus, mais... Le Dead Case, par contre, c'est vraiment de la merde. Mais on a la dague, et ça, ça fait plaisir. Bravo. Alors, le timing, la science du timing, hein. Vraiment, en plus, ça, c'est un cœur entier, la science du timing. Vraiment, Connerman. J'ai vu la salle au début, hein, bien sûr, mais... Oh, lui, il faut que je le bute. Mais qu'est-ce que je fais? Oh, je suis déconcentré. Oh, je suis pas dedans. Je me mets une pression parce que c'est Flooded Case, mais faut que j'arrête, hein. Superbe. Là, je fais un peu le Kekos, hein. Je me permets de jouer très mal. Mais il y a peut-être un moment où il faudrait que j'arrête de jouer mal. Là, j'ai perdu deux cœurs, je crois. Allez, on va arrêter de mal jouer. J'ai perdu les deux cœurs de Squeezie. Attendez, j'ai envie de lui faire un câlin. Voilà. Oh. Nul. Une blague ? Oui, mais j'ai Little Brimstone. Tellement concentré sur ma dague que j'en oublie que j'ai Little Brimstone, quoi. Innocent. Faut que j'arrête de jouer comme une merde. Cette salle, c'était une erreur. Ah. Oh là là. Mais. Oh, sérieusement, de grâce. C'est chiant que Little Brimstone soit placé derrière Brother Bobby quand même. Non, j'aurais dû continuer, c'est bon. Il faut rejouer. Convenablement. La convenabilité du gameplay. Et défoncer le vieux monsieur. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, non, oui. Je sais que j'ai mal joué au début de l'étage, mais c'est bon. C'est pour vous que je fais ça. Pour le best-of. Ouais, puis Westbling. Ah. Oh, le sac à merde! Taisez-vous. Pardon. Voilà. Putain, mais je suis plus qu'à 4 cœurs bleus, c'est honteux ce que je fais. Ça me dérange, ça me débecte. Ah, mon build d'arme, il est nul. Faudrait que je l'oublie, hein. Faudrait que je joue avec tout sauf mon build d'arme, encore, en vrai. Le bébé batterie, là, le familier. J'ai l'impression qu'il est bugué une fois sur deux. Bon, faudrait peut-être le prendre quand même. Il faudrait que j'ai une meilleure... Ouf, faudrait que j'ai une meilleure carte que ça, quoi. Qui arrivera forcément à un moment... Oh là là. Oh, c'est chiant. Mais ouais, qu'est-ce que c'est chiant qu'il soit mal placé, l'autre... Oh, ok.
Oh là là, mais Flooded Cave, c'est vraiment de la merde en barquette, hein. C'est impressionnant, personne n'aime Flooded Cave. Prendre la carte du shop si jamais il y a un hiérophone. Ah oui, c'est vrai que oui, c'est très con de ne pas avoir acheté la carte. Une bonne observation. Magic Mushroom, quoi ? J'ai call trop tard. J'ai call le Magic Mushroom trop tard, donc il n'est pas arrivé. Hein. Ça, c'est un vrai tips pour le coup. Toujours coller en avance. Hein. Merci Biaxakid qui avait host d'ailleurs. J'ai oublié avant la pause. Regardez. Oh, c'est nul à chier. Gros match-up ici. Oh là là. Go, go, go. Mais par pitié de grâce. Oh, j'aime pas ça. C'est les petits tirs en cloche, la pourrie, là. Merci Poussette Nono pour le prime. Et Weirvend. Je sais pas si c'est une bonne idée. Est-ce que c'est toujours worse et on se dit qu'on part en économie? C'est quand même 4 de dégâts si je pars en full économie et que j'ai de la thune, quoi. Du coup, on oublie les... Ah, j'ai le counterfeit Penny. Allez, let's go! Ok, let's go! Peut-être moins visiter les shops, hein, du coup. Ah oui, et puis si on trouve le Two of Diamonds, là on peut même quand même continuer à jouer magasin. Ah non, faut pas le tuer en vertical, sinon on se prend le tir et c'est la honte. C'est la honte. Ils sont où? D'accord. N'oublie pas la Black Candle si jamais... Quoi ? J'ai mon tombe dessus, vous voulez dire ? Oui, d'accord. Je comprends pas ce que vous me dites. Ça me stresse. Oublie pas Mom's Knife si tu tombes dessus ! Ok. Devil. Mais oui, c'est vrai. Alors. Du coup, j'étais en train de me dire quoi, je l'ai oublié quelque part. Quoi, il y avait une Black Ender. Pas du tout. Oh, c'est nul, hein. Oh, c'est nul, hein. Faudrait qu'on ait une... Oh non, non, non. Deux étages en un, deux fois plus d'angoisse, deux fois moins de Devil Deal surtout. Ok. Peut-être que la partie sera plus rapide. Non, c'est faux. Au secours. C'est vrai que j'ai pas pris d'objet à l'étage blind là. Ensuite, heureusement, on a été feed par le jeu après. Frank's probablement meilleur, surtout pour arnaquer les Devil Deals. C'est chiant. Il est explosif lui, oui. Et non. Mais non, mais il va m'exploser avec des dragées Fuka. Non, c'est pas celui-là.
c'était chiant. Si j'avais pris la Black Candle, mais merde. C'est pire. Ah, super. Ça tombe bien, entre temps j'ai vraiment récupéré énormément de clés. Et surtout les clés que j'ai claquées comme un idiot, j'ai claqué 3 clés en 2 pour rien au Curse of the Blind là. Mais pitié! Le problème c'est que j'ai deux shops, deux item rooms à visiter, donc pour l'instant on va rester là-dessus. Oh c'est chiant, oh. J'ai envie de faire une visée incroyable mais je sais ce qui va se passer. En fait, je voulais tenter un oblique. C'est ça le problème. C'est que j'ai voulu être très technique. Genre, en fait, pour... Ouais, non. Parce que si je me le mets là, d'accord, j'aurai le coffre, mais j'aurai pas la clef. J'ai envie de la voir. Je sais que c'est décisif. Ne vous inquiétez pas. C'était pas une erreur. Ça va être insane. Le game changer. Mais d'abord, je dois trouver un moyen pour aller la chercher sans perdre 12 000 points de vie. Y'a plus de rocher marqué. Ah si, bah... Il suffisait de se plaindre, je l'ai vu. Oh, le con, oh, le con, le con du cul, le con du cul, le con du cul. Oh, et le crâne aussi. What a... C'est la fête, c'est la fiesta, comme le chantait. Atoche. Ah oh, mais non, parce que si je veux la clé en plus, je perds deux cœurs, assurément, quoi. Oh non, mais c'est de la... c'est un plan cul. Il me faut une autre bombe. Et je pourrais montrer tout mon skill à la bombe, qui n'est plus approuvé. Vise la carte. Hein? D'accord. Quand même. Que c'est enfer, d'accord. Au secours. Au secours, au secours. Mais qu'est-ce que... Oh là là, si seulement je volais. Bon, ensuite, c'est pas indispensable, mais... Toujours rageant, quoi. Attention, grosse action ici. Non, je vais pas le faire. Parce que si je vole, en fait, je regretterais d'avoir fait le bouffon. Oh là là. Ça c'est bien en vrai. Mais j'ai presque envie de prendre la carte et la bombe. Oui j'ai body equal power. Jesus Christ, fuck! Amnésie man. Ah il y a encore un rocher là. Et la rune peut être folle aussi avec blank card. Aïe 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 aïe. Mais si j'avais pas fait le bouffon avec mes bombes là. Oh là là, mais c'est horrible, c'est horrible! Faut que je joue plus avec mes larmes là, Little Brimstone, ça devient plus. Pour. Quoi, sérieux? Ok. Je voulais vous faire la démo que Dead Sea Scrolls c'était de la merde. Je pense que c'est une démo qui a parlé à tout le monde. Il m'a fait un petit kamikaze là. Putain, c'est le remake du premier étage, JPP. Oh non, non, c'est trop cruel. J'ai pas de ressources. T'es fou. Oh là là, terrible. Cette sensation terrible, ces souvenirs d'enfance, ces traumas. C'est comme aller dans un magasin répu et pas avoir un sou en poche. Ok.
Ok, ok. Les ressources. Tu dances ou je t'explose. Mais putain, mais quel connard, c'est un imidilite. Oh putain, j'ai perdu un de vie. Vouloir faire le kikos. Vouloir faire le kikos, voilà. Ok. Je joue vraiment comme une queue, c'est quand même impressionnant, quoi. Ok. Rocher marqué. Bah oui, mais de toute façon, des rochers marqués, il y en a partout. Il y en avait un autre là-bas aussi. Mais là, ouais, il va falloir définir comment utiliser le peu de bombes qu'on aura. Alors attendez, c'est pas tout de suite. Mais non, mais pas là. Là-bas, bande de connards. J'aurais dû le mettre dans l'autre salle. Et puis j'allais certainement pas blanc-card cette merde. Au secours. Tout va bien se passer. L'objet va être décisif. C'est le happy end. C'est quoi? Oui, c'est il tire une boule, une larme tous les 850 ans. Merci à lui. Il est vraiment incroyable. Il est vraiment... Ok. J'ai un 41 speed. J'accepterai le small rock. Je peux accepter le small rock, sacrifier un peu de ma vitesse pour des dégâts, c'est d'accord. J'ai jamais visé par là. Ma vie est dégueulasse. J'ai encore failli perdre un de vie entier. Bon. Deux bombes. Trois clefs. C'est quoi là? Ah oui, c'est là où j'avais fait l'échange, d'accord. Que j'ai plus besoin de ces deux clefs. Ok, je sais, I got the plan. Je sens déjà que je vais m'énerver, donc je vous demande de rester calme. Hein. Non, c'est bon. I have a plan. Deux secondes. Ne vous inquiétez pas, j'ai un plan B. Voire un plan C. Mais le plan C est au premier étage, hélas. Non. Oh, le snipe. Mais oui, mais c'est à cause de l'autre qui m'attire vers lui. Oh. Mais de grâce, quoi. Tout est dégueulasse. Je voulais juste gagner. Je voulais juste gagner. Ah. C'est bon. Ok, les rochers marqués, souvenez-vous. Vous vous souvenez? Pas moi. Si, si. Mais si, bien sûr. Bien sûr, les rochers marqués. Il y avait un là. Ah, on va prendre la rune. Oh, ça va être insane. Oh là là, vous êtes prêts? J'espère que vous êtes prêts, hein, parce que ça va être insane. Allez, je claque la clef. Oh, le black market. Quoi? On est déjà là? Oui, parce que je suis sur XL. Oh là là, mais quel bit en bois! Mais on est mort, en fait. Oh là 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 là. Il faut trouver des solutions, faut arnaquer le game. Non. Si. Est-ce que ça sent que je suis désespéré, là? Ok.
Ça c'est pas mal, mais hélas, c'est pas ici qu'on va en profiter. Quoi qu'il me reste quelques salles. Et l'autre bombe, c'est pour un rocher marqué qui est en hauteur là, celui où j'ai utilisé The Tower et c'était nul. Oh là là, mais mon stuff il pue la merde. Heureusement que tout va. Ah non, non. Faut voir. Mais putain, c'est un ennemi d'élite en plus, c'est ça, génial, non. Génial, non. Ah, je suis au bout de ma life, quoi. Ça se passe très mal, hein. Je me suis fait toucher, mais un nombre incalculable de fois, mais comme un caca humain. Je suis pas dedans, là, hein. C'est vraiment honteux ce qu'on est en train de vivre. Honteux. Double boss. Ah, mais si j'ai pu les objets. Du Devil Deal, excusez. Ah, mais du coup, j'oublie cette carte-là. Du coup, j'ai toujours que Strength. Ça pue. Ça pue. On a fait ça? Attendez, j'utilise Strength comme un idiot, mais ça va pas me redonner assez de charge? J'aurais contre Mom, quoi. What an idiot. Ah non, mais j'ai des batteries. Ouais, mais j'aurais pu utiliser cette batterie pour Mom, justement. Mais quoique non, parce que j'en ai besoin pour le Devil Deal. Ok, donc tout est réglé. Tout est réglé, ma vie est de la merde.com. C'est bon. Mais elle était où la salle nulle? Oh, me dis pas que c'est pas vrai. Elle était pas du tout là, quoi. Elle était où la salle nulle? Elle était pas là, elle était pas là. La salle nulle, là où il y avait les trois qui... Oh! Sinon, il y avait Curse Room. Mais là, je commence à en avoir marre. En bas de la grande salle. Je l'ai passé? Jesus! Attendez, il y a moyen de faire de double moyenné. Ou de tout louper. Voilà, je suis à poil. Ok. Je peux plus arnaquer ici. Si, je peux arnaquer le Devil Deal avec Strength, bien sûr. Ah, je... C'est juste que si j'avais là, j'aurais pu arnaquer le boss avec Strength. Aller prendre une batterie ferme. Mais non, mais j'en ai plein des batteries. Il y en a qui sont inaccessibles. On en reparle dans quelques instants. Ah, mais du coup, j'aurais dû. Oh là là, en plus, c'est adversaire, quoi. La dague sacrificielle. Putain, mais JPEP, quoi. C'est nul. Carte à jouer, c'est le Two of Diamonds. Genre, je le saurai jamais, j'ai zéro bombe. Ok, go. Oh, Red Mom, parfait. Parfait, let's go. Hop. En vrai, j'ai envie de me débarrasser des cœurs rouges, donc dualité. Dualité, ton... Non, quand je rentre dans une salle, c'est fini, dualité, c'est ça? C'est pas je regarde si la God Room me plaît, ah bah y'a rien, je ressors, je vais aller au Devil. Wow. Ouais. Ok. En vrai, ça va. Enfin, je veux dire, le build est naze, mais c'est totalement faisable. C'est juste que là, je me suis touché 16 fois, quoi. Enfin, je sais pas ce que j'ai branlé, mais c'était une honte. Une honte! Merci, Lothrin. Pour les 500 bitcoins. C'est le troisième stream à la suite que je débarque au moment où tu dis Jesus. Ça part sur une streak. Probablement. Aïe, 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 aïe. Au moins, c'est pas un Scarred Womb. Parce que là, on serait vraiment terrorisé.
On sait jouer, mais faut juste être très vigilant. Et puis améliorer un moment ou un autre. Quoi. Enfin, trouver un moyen. Au moins, on n'a pas eu un Womb Pixel. Hein. Ça, ça aurait été vraiment chiant. On aurait commencé à faire beaucoup. 72% de Devil Deal en plus. 72% de l'un ou l'autre. Du coup. Horrible. Horrible. Oh, j'ai eu de la chance. Ok. Mais oui, mais le problème c'est que... Mais non, mais il explosait pas celui-là, c'était le Poisonous. Pourquoi j'ai eu... Oh, pourquoi j'ai eu aussi peur de lui? Ah, du coup, ouais. Bon, ensuite, on peut mourir en boucle. Si j'ai un Guppispo, par contre, c'est incroyable. Ouais, non, mais bien sûr. J'hésite à claquer le Strength, mais d'un côté, j'ai besoin de... C'est quoi déjà, ça? C'est pas les Chopper Wombs, ça, parce que c'était l'autre. C'est pas les items... Non, pas du tout. C'est de la merde, quoi. Du coup. Ah, c'est la refresh machine. Ah, il y a des rerolls au shop, ouais, mais vu que j'ai pas de shop, ma hype est moyenne, quoi. Ma hype est moyenne. Oh, j'ai voulu le bait au couteau en me disant c'est obvious, il peut rien nous arriver d'affreux maintenant. Et non, mais c'est pas possible, je me suis fait toucher par monsieur merde au cul, quoi, la larve nulle. Alors que j'avais juste à lui tirer dessus et c'était fini en deux frames. Ça, c'est mon amour du passement de jambes, quoi. Aïe, aïe, aïe. Heureusement, heureusement que on en rira. On en rira dans quelques minutes. Parce que je serais crevé comme une merde. Non, non, mais c'est bon, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Aïe, gère. Comme disaient les Américains. Aïe, géros. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Je gère à mort. Oh là là. Oh putain, on voit rien en plus. Donc s'ils veulent me refaire le fion, c'est gratos, quoi. Je vois même pas le sang qui dépose là. Je crois que j'ai pris la bonne direction. J'en suis convaincu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ok. Ah, parce que Scarred Womb, on aurait pu avoir un matri... Ok, au secours. Au secours, au secours. Ok. Mais c'est chiant là, hein. Voilà. Coopère un peu. Très bien ça. L'argent, c'est des dégâts. Y'a pas un rocher? Oh là là, mais quel cauchemar! Obligé en plus, c'est un carrefour, on va le faire. Ça va. Ça le plutôt safe. Surtout avec Little Brimstone. C'est quoi déjà ce frère? De toute façon, je garde le Counterfeit Penny, je crois qu'il n'y a pas de débat possible. À part Cancer ou Curved Horn peut-être. Et encore. Ah si, bien sûr. Cancer et Curved Horn, c'est no-brainer. Surtout Cancer, en vrai. Oh là là. Oh là là, combien? Incroyable, cette histoire. On récupère quelques ressources, tant bien que mal. C'est nul, c'est chiant. Oh, ça va, je me sous-estime. J'ai quand même un peu de puissance, quoi.
La couronne, oui, la couronne, oui. Exact, insane. Si j'avais Gimpy, pourquoi pas, mais là je peux pas rebuild des cœurs bleus et j'ai pas Guppies peau. Donc je peux pas faire la Sacrifice Room, ce qui est con parce que j'ai du revive à l'infini quoi. Guppies peau, Devil Deal. Ah mais putain j'ai pas de cœur donc faut que j'aille God Room en vrai. Je suis un peu condamné non? Ce qui serait génial c'est de trouver un reroll aussi mais bon, pour le God Room. Un peu condamné à prendre God Room si je si tout du moins on a la gentillesse de m'offrir une salle après le boss avec strength. Ah oui mais oui j'ai strength. Pourquoi j'ai... Est-ce que c'était une bonne idée? Peut-être pas. Si. Restez zen. Restez zen c'est mon truc, ne vous inquiétez pas. Très dans la zénitude moi. Il peut pas y avoir des trucs dans ces cacas là, non? Les cacas qu'on a redéfoncés, qui ont rip-hop entre temps, quoi que ce soit sur le côté c'était différent mais pour moi c'est non. Non. C'est non. Je veux pas utiliser strength pendant le combat parce que... Les combats? Parce que avoir le Polaroid si je me fais toucher pour moi est encore plus précieux parce que je peux bourrer au couteau. Donc il y a très peu d'intérêt de le faire sauf pour les Devil Deals. Ah oui, il peut y avoir Krampus aussi. Hein. Non, Matriarche, c'est pas possible à Womb. Faudrait que ça soit Scared Womb, on est d'accord. Hein. Je peux pas prendre le HP, c'est une erreur. Parce que s'il y a rien au Devil Deal, j'ai l'air d'un con. God Room, hein. Parce que Devil Deal, on n'a pas eu Krampus encore. Ça sera peut-être très, très décevant, mais je pense que je vais prendre la God Room. Oh mon dieu, c'est très décevant. Bon allez, bonne RNG sur les flammes. Est-ce que je gratte vraiment comme un clodo? La réponse est oui. Vraiment comme un clodo, hein. On sent la peur de l'homme. Voilà, mais évidemment que c'était pas worse, j'aurais dû garder mes 4 bombes, espèce d'idiot. Oui, bon. J'en ai rien à foutre de le défoncer, mais vraiment pour le coup. Absolument. Absolument. Ah, ça reste ouvert par contre. On s'en va, hein. Lazarus Rags avec le plan C. Oui, si j'ai eu tout de suite, ouais. Parce que le plan C, c'est quoi? C'est comme la carte Suicide King? Si vous crevez, vous avez deux objets qui pop, un truc du genre, non? Le luck up? Ah ouais, pour avoir un HP et plus avoir jamais Polaroid quand je me fais toucher. Énorme! Ok. Ah non, pas d'objet, c'est juste nul à chier? Ok. Ah oui, masse dégâts, c'est ça, et mort 15 secondes après. Ok. Je pensais que c'est un des derniers objets aussi, j'avais pas fait gaffe. Scarred Womb 2. Bon, de toute façon, on s'en fout, ça sera mom, mais Curse of the Maze, beaucoup de plaisir. Qu'est-ce que ça fout là ça? C'est con parce qu'en faisant un proc de Polaroid, je me fais de l'argent, et si j'ai de l'argent, je suis puissant. Mais bon, là, pour l'instant, il faudrait que je trouve une carte. On a trouvé très peu de cartes, c'est con, hein. C'est con quand on a drop... Merde, mais qu'est-ce que je fais?
on drop blank card basement. C'est un peu dommage, j'ai pas trouvé de carte. Oh le con, oh là là, il est tout petit, il est tout petit, il est encore là. Il me casse les couilles. C'est bon. Oh non, pas lui, le pire mob du jeu. Mais putain, mais Little Brimstone qui est décalé, c'est vraiment de la chienlit. Mais... oh, j'en ai un, je le déteste, mais sale mob de merde, horrible quoi. Ok. Ouais. Vraiment? Arcade Room? Oh, elle est mal placée parce que j'ai eu peur. Ok, ma vie est nulle. Ma vie est full nulle. La bombe perdue, c'est un rocher marqué. Oh, la salle d'arcade, c'est une très bonne nouvelle. Ah, mais j'ai pas envie de gamble, c'est ça le problème. Pour avoir des... non, non, je peux pas gamble. Mais non, y'en a pas d'autre, y'a que lui. Okay. Ah oui, c'est très bon ça. Ah, mais j'ai plus de bombes, voilà. Voilà, voilà, voilà. Là, il est veillé, j'avais plein de bombes. J'aurais pu augmenter les chances de Devil Dee d'avoir de l'argent. Et connard. Juste un connard, en fait. Merci, François, pour le prime. Oula. Ah, j'ai pas... je vais pas jouer au couteau parce qu'il fait proc des bombes quand même. Soyons raisonnables. Un accident est si vite arrivé. Je vole pas et donc la Curse Room, j'ai pas envie d'y aller non plus. C'est terrible. Ah, à moins que... d'accord, super, super, super. Oh, mais ça, c'est beaucoup de puissance d'un coup. Hop! Pas mal. Ça, ça a l'air d'être beaucoup d'emmerde pour... Petit 4-7 quand même. Surtout, ouais, je récupère une bombe, allez, c'est ok. Et de l'argent, c'est de la puissance. Je commence à être moins dégueulasse là. Je peux commencer à jouer avec mes larmes de manière plus sereine. Surtout, on a de la vie et ça, ça fait plaisir. Sauf que j'ai essayé de pas trop me détendre pour éviter le fiasco de tout à l'heure où je me suis fait toucher 12 000 fois sur un étage. J'essaie de se reconcentrer un petit peu et tout devrait bien se passer. Putain, Godhead. Enfin, non, Godroom, vraiment, c'est. Souvent décevant. Ah. Il bloque trop de choses en vrai. Nice. J'ai vu le demi-cœur, je me suis dit, allez, let's go. Ça, c'est insane en vrai. Ok. Okay. The Pact, c'est tellement godlike. Quand on n'a pas encore max tirade, bien sûr. C'est beaucoup de plaisir. Ah, on respire. On respire. Le schlass. Oh là là, le Curse of the Maze. Oh oui. Ah bah d'accord. Très bien. Oh, au secours. C'est très peu plaisant. Non mais... ah si, on pouvait le toucher direct. Je pensais qu'on pouvait le toucher qu'en dernier. C'est juste qu'il est invisible. C'est un prankeur quoi. J'avais pas un rocher. Non. Pas un rocher marqué. J'ai pesté parce que j'ai pas de bombe pour les mendiants. On va se mettre bien en vrai là. Hein. Ok. Je les bombe tous en vrai, je pense. Oh là là. Allez, quasiment 10 de dégâts. Ouf. Putain, mais j'ai jamais eu de meilleure carte que Strength, quoi. Que j'ai même pas utilisé au final. Et là, on va encore check le God Room, hein, même si ça va être la déception. Comme d'habitude. Mais je suis con, j'ai Little Brimstone et j'ai pas directement one-shot les yeux. J'aggro, allez, j'aggro.
salaud! Ah oui, mais le cœur bleu, il bouge tout le temps. Ah, ça y est, bon, maintenant il est là. Ok. Oui, parce que les contenus des salles s'échangent. Enfin bref, c'est beaucoup de plaisir, Curse of the Maze. Ça va, en vrai. Je m'inquiète pas trop. Ok. Alors. La tentation, c'est de prendre la grande salle. Mais j'ai pas de bombe, bref. Je peux pas vraiment tenter l'escapade. Ok, au secours. Ah, je vais aller chelasser. Ah, j'ai envie de chelasser. Oh non, mais évidemment, le placement terrible. Ouais, non, il bouge trop vite. Ça m'angoisse. Pas mieux de terminer par le Mega Rush quand même, on va essayer de buter les petits. Mmh. Il y en a encore un. Ah mais... Quel animal ! His name is Jean-Pascal, assurément. Donne-moi un truc cool. Non, il va me dropper un Mister Boom, je vais avoir le seum. Attention, c'est cool. Ah, parfait. J'espérais, pour être honnête. Eh bien, bonne journée à tous. Oh, la petite salle du cul. Vous la sentez, la petite salle du cul? Moi, j'ai chez vous, serait pas d'accord. Hein. Dégâts, on les a. Yes. 10 piles. Hélas, pour les amoureux des chiffres ronds, on va récupérer une pièce soon. Bravo, le veau. Merde, putain, il y avait un sac. C'est le premier dégât. C'est pas trop grave. Juste faire attention tout de même. On est presque à 99, hein. Oh, nice. Oh, vas-y, je vais faire la petite salle parce que je sens que c'est par là depuis le début et ça me titille. Ça me titille. Ah, pas du tout. Il vient pas du tout, mais au moins c'est pas dangereux. Oh, The Fool, c'est un peu l'assurance vie si vraiment tout part en couille, mais bon, là j'ai de la vie donc c'est pas vraiment le plan quoi. Ça va l'effectuer. Ah, Money Equal Power, c'est bien. Hein. Ça a bien fait de banquer là-dessus quand même, parce que sans ça, il n'y avait aucun shop rerollable, je crois. Bref. Ça aurait été plus chiant, quoi. La Curse Room qui était insane tout à l'heure, mais là, c'est plus nécessaire. Ça y est, le 99. Oui, il y a un objet. Oui, c'est vrai qu'on a fait un objet. Un étage. Sans item room et shop pour éviter le Curse of the Blindo. Pas besoin de thunes. Ici, c'est un lucky coin. Vas-y, attends. Mais non, mais... Oh, j'y suis allé comme un gros dégueulasse. Ok. Comme un gros dégueulasse. C'est honteux ce que je viens de faire. Voilà, c'est évident. Le daddy's long legs.
Mais non, mais je le touche pas là, c'est... Faut que je reste là si je veux faire ça, parce que là... Pas sympa, s'il te plaît. Je sais pas comment il m'a pas touché, mais je suis pour. Il y a une science, là... Je me souviens plus du tout s'il y a une science derrière là où tombent les pattes, ou si c'est juste de la carotte infinie. Au secours. Magnifique. Je pense qu'on pouvait pas mieux s'enfermer que ça. Ça doit aller, hein. Je dois encore avoir 6 coeurs plus, mais... Tout de même. Ok, enfin. La bombe à triste. Quel con. Pourquoi j'ai pas... Je pouvais tout à fait le knife en tirant sur les autres et je l'ai pas fait. Ah oui, non mais d'accord. Vraiment gratuit quoi. J'avais envie de souffrir jusqu'au bout. Ok, c'est pas grave. Pitié, pas de curse là, parce que j'en ai marre. J'utilise pas la blague parce que je voulais avoir le... Polaroid, si je me fais toucher. On a pu voir pourquoi. Ah, nice. Oh là, la Big Beautiful Fly, c'est un gros nom, je pense. Un gros nom. Ah, j'ai que un 16 de luck. Coup dur. En repentance. Ouais, repentance en plus. Il veut. Enfin, le mec a vraiment teasé en mode ça sera dur. Il veut que ça soit vraiment dur, quoi. Parce qu'il sait très bien que, bon, quand on sait jouer au jeu, on le casse facilement. Ensuite, il faut que ça soit dur mais faire. C'est toujours ça le même problème. Faut que ça soit dur mais pas injuste. Sinon, c'est mauvais. Elle met juste ça. Oh merde. On va pas dropper d'objets, hein. Je pense que je vais devoir vraiment faire attention parce que ça va juste pas arriver en fait. Lui, il me stresse à chaque fois parce qu'il vomit à... Ah, faut être en face de lui. Ouais, non, mais de toute façon, il a pas de vie en plus. En fait, il est zéro. Luck up. Ah bah, ça peut-être nous aider, ça. Les objets, là. J'aimerais bien tuer le... Oh là là, le sac à merde. Voilà, j'aimerais bien tuer... Voilà. Je veux une carte. Hein, c'est quoi, ça? Ah, c'est un Datsuki, genre on peut faire méga Satan, c'est ça? Je sais plus ce que c'est, j'imagine que c'est ça. Oui, bon, c'est pas vraiment ce que je recherchais, hein. J'avais oublié qu'elle avait un skin... Enfin, le skin Monopoly, quoi. Hommage. Faudrait plutôt gérer Death, hein, ouais. C'est pas mal. Oh ouais, super. Superbe spawn. Superbe spawn sur ma gueule. J'ai kiffé. Okay. Oui, non, mais c'est un use item au spawn. Je suis assez rapide, c'est bon. Je suis assez rapide. Pas de panique. Yum Heart sublime, on est content. On laisse la batterie, on va essayer d'optimiser parce que j'ai l'impression que j'ai fait un full clear sans le vouloir. Ok, c'est plutôt cool. Ça va l'effectuer. Je
pense que je suis bon là, mais bon. Ils font jamais. Je pense que c'est le chemin. I got a feeling. Je vais être invalidé par la dure réalité. La cruelle réalité. C'est non. Alright. Ouais, c'est vrai qu'on en a eu des space items qui puent. Undefined, c'est rigolo avant, mais certainement pas là. Et en gros, et encore, je préfère téléporte dorée, parce qu'au moins, téléporte dorée, on peut avoir un game plan, quoi. Téléporte dorée, plus facile à prévoir. En dégueulasse. Assez fan de la téléporte dorée, d'ailleurs. J'aime bien cet objet. Clairement un objet de streaking, ouais c'est vrai. Crack the Sky, ouais ça fait du dégât sympathique Crack the Sky, mais bon. Ça va pas trop changer le game, ouais. J'y vais comme un gros dégueulasse, mais là... juste envie d'en finir pour être tout à fait honnête. Enfin, ça se fait désirer, hein. On va faire un gros U, c'est ça. Ah, le doigt. Le doigt accusateur. Petit doigt dans le cul. Exactement. Oui, j'ai ça. Oui, c'est vrai, je l'ai eu. Je l'ai eu en ouverture de chest. Ta-na-na-na-na. Merci Geno pour les 5 siècles. Allez, c'est bon. Oh là là. Merci TCC96 pour le Prime. Prends soin. Merci pour tous vos resubs, Geno. Merci encore. J'aurais pu m'entraîner à le faire proprement, mais visiblement. C'est pas le run de la propreté, quoi. Mais l'essentiel est là, voilà, c'est bon, au secours. Oh, une VOD de plus d'une heure. On a essayé, mais bon. Merci. Record du monde battu. Record du monde des Eden Strict Art de Mister MV1, je le rappelle. Pas de confusion avec le record du monde... des Eden Strict Art de Shishiyu, mais de Shishiyu qui est à 900+. Mais en même temps, Shishiyu, sur les records du monde de streaking de Mister MV, il est à 0. À chacun sa catégorie. Des bisous YouTube. Très très vite.